Le meilleur pâtissier, deux candidats sont follement amoureux sous la tente. La 11e saison du meilleur pâtissier, lancée le mercredi 7 septembre 2022, a dévoilé 16 nouveaux candidats. Tous amateurs. Depuis, Manon, Adelina, Nils, Benjamin et les autres se battent chaque semaine pour rester dans la compétition. Et si Mercotte semble avoir déjà montré vers qui va sa préférence, rien n'est encore joué pour la jeune Cléo. Point. Ce mercredi 16 novembre, après de difficiles épreuves, c'est Sébastien qui a fini par faire ses valises et quitter la tente. Après un Hollywood cake raté, Sébastien n'a pas su se rattraper sur l'épreuve de cake design où il devait réaliser le buste de son idole. « J'ai fait une Marie-Antoinette qui ressemble à Robert Antoinette », a-t-il ironisé dans les colonnes de télé loisirs. De quoi soulager les autres participants et surtout Benjamin et Adelina qui ont ainsi pu prolonger le plaisir de se découvrir sous la tente du meilleur pâtissier. Car oui, la ravissante belge et le beau brun sont tombés amoureux pendant le tournage de l'émission. Sur leur compte Instagram respectif, les deux candidats apparaissent très souvent ensemble. Mais jusqu'ici rien ne laissait penser à autre chose qu'une relation amicale et professionnelle. En réalité, entre les deux candidats, c'est l'alchimie parfaite. Sur Tito, la candidate a posté une vidéo où le couple est au centre de la publication. Pour Ciné Télé Revue qui sort ce jeudi 17 novembre, Adelina et Benjamin qui sont pour l'heure. Encore dans la compétition, se sont livrés, tout a commencé sous la tente. Le tournage s'est déroulé au printemps, donc on a gardé le secret assez longtemps. On ne voulait pas précipiter les choses, car le meilleur pâtissier nous a un peu coupé de la vie réelle. On était dans une bulle où tout était beau, tout était rose. On avait donc peur que ce soit une simple amourette. Allez voir rayonner de bonheur aujourd'hui, il semblerait que non.